monde. On est là ce soir pour crier notre colère et notre indignation au gouvernement Charest, qui s'apprête ce soir à adopter une loi inique, une loi arbitraire, une loi qui consacre la primauté de l'argent sur les droits, une loi qui va à l'encontre des intérêts des francophones du Québec. Ce soir, le gouvernement libéral s'apprête avec l'odieuse utilisation du bâillon à faire un véritable kidnapping de la démocratie au Québec. Le peuple québécois n'en veut pas de la loi 103. On veut travailler en français. On veut être éduqué en français. On veut vivre en français. On veut exister en français. Il est important ce soir qu'on continue la lutte, qu'on aille voir les députés, qu'on continue à se mobiliser, qu'on aille chercher la population pour être capable de renverser cette loi-là et faire entendre raison à ce gouvernement qui n'entend pas la pression populaire. La langue commune, c'est avant tout une question de justice sociale.